Des machines propres associées à des produits de nettoyage efficaces et sûrs sont indispensables pour la sécurité produit. Cela permet une meilleure qualité, des temps d'arrêt réduits, une longévité accrue de l'équipement, un besoin réduit de pièces de rechange. Technomelt Cleaner 102 est conçu pour les systèmes d'application d'adhésifs fonctionnant avec des colles thermofusibles à base de caoutchouc, aussi appelés adhésifs sensibles à la pression. Il se présente sous forme liquide et permet de nettoyer les éléments mécaniques internes tels que les fondoirs, les flexibles, les pistolets et les buses. Il faut faire recirculer le nettoyant à travers le système afin de dissoudre tous les résidus de colle thermofusible. Technomelt Cleaner 102 est efficace et simple d'utilisation. Nous avons préparé ce guide pour vous guider étape par étape tout au long du processus. Avant de démarrer, veillez à suivre les règles de sécurité de votre site et portez impérativement votre équipement de protection individuelle qui, dans ce cas, doit inclure des manches longues, des lunettes et des gants résistants à la chaleur. Soyez prudent. Ce nettoyant est liquide et fluide comme de l'eau à sa température d'application entre 140 et 160 degrés. Étape 1. Réduisez la pression de la pompe à zéro sur le fondoir. Étape 2. Videz le réservoir en ouvrant la vanne de purge ou de bypass et augmentez doucement la pression de la pompe jusqu'à une valeur maximum de 1 bar. Une fois le réservoir vidé, refermez la vanne de purge ou de bypass et ramenez de nouveau la pression du système à zéro. Étape 3. Enlevez manuellement toutes les impuretés, matériaux carbonisés, fibres de papier, gel, etc. de l'intérieur du réservoir à l'aide d'une spatule et d'un chiffon doux. Les outils métalliques sont proscrits car ils pourraient endommager le revêtement du réservoir. Étape 4. Réglez la température d'application entre 140 et 160 degrés. Veuillez ne pas dépasser cette plage de température. Ensuite, ajoutez soigneusement le Technomelt Cleaner 102 et remplissez jusqu'à 80% du volume du fondoir. Étape 5. Débranchez les flexibles des pistolets et placez les flexibles au-dessus du fondoir ouvert afin de faire recirculer le Technomelt Cleaner 102 avec une pression à la pompe la plus faible possible. Procédez ainsi jusqu'à dissolution complète de la colle thermofusible. Étape 6. Évacuez le Technomelt Cleaner 102 du fondoir en ouvrant la vanne de purge ou de bypass et augmentez doucement la pression de la pompe jusqu'à une valeur maximum de 1 bar. Une fois le réservoir vidé, refermez la vanne de purge ou de bypass et ramenez de nouveau la pression du système à zéro. Retirez tout matériau non dissous du réservoir. Étape 7. Remplissez le réservoir nettoyé avec l'adhésif Technomelt de votre choix et réglez le réservoir, les flexibles et les pistolets à une température inférieure de 20-40 degrés à celle recommandée afin de maintenir la viscosité à un niveau élevé. Rincez encore une fois le système complet en vous assurant d'éliminer complètement le Technomelt Cleaner 102. Ceci est essentiel car tout résidu de Technomelt Cleaner 102 pourrait modifier les propriétés de l'adhésif qui va être utilisé par la suite. Étape 8. Ne remettez aucun filtre sans d'abord vérifier que la pression de l'air est bien à zéro. Étape 9. Réglez le chauffage du réservoir, des tuyaux et des pistolets aux températures de fonctionnement recommandées et vérifiez que la pression est correcte avant de redémarrer la ligne. Si vous avez des questions supplémentaires sur la procédure de nettoyage, veuillez contacter votre conseiller commercial Henkel ou aller sur notre site internet.